une dalle béton dans un parking qui malheureusement qui s'est fissuré, qui prend l'eau. Et donc nous, on doit faire un réagréage. Le temps de réalisation, ben, c'était la contrainte numéro un et vraiment le point très important pour le client. On réalise 22 000 trous, diamètre 16, avec cette machine. Ça permet de percer sans avoir de vibration. Donc on a une tablette avec une station qui est connectée pour savoir où percer les trous. On est à peu près sur une moyenne de 450 trous par jour. Il y a deux stations, en moyenne 900 par jour. Je ne suis pas obligé de faire de traçage. On voit toutes les ferrailles qui sont indiquées, ce qui nous permet de plus ou moins nous décaler par rapport aux ferrailles et de nous centrer, quoi. On a un aspirateur, c'est une mèche creuse qui aspire. On n'inhale pas de poussière vu qu'elle reprend tout. Ce sont des équipements qui sont faits sur mesure, puisque chaque client a des exigences spécifiques en termes de sol, en termes de profondeur de forage ou autre. Donc on dimensionne et on crée nos équipements en fonction de ces contraintes spécifiques. Le plus dur au départ, ça a été de convaincre justement mes sous-traitants à le faire, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais pour que ça puisse fonctionner, on s'est adapté à l'historique que Hilti avait là-dessus. On l'a adapté à notre chantier. On a défini bien les différentes hypothèses qu'on pouvait avoir pour pouvoir rester dans les délais, dans le budget aussi. Il faut savoir qu'en fait, les opérateurs qui utilisent ces machines ne sont pas du tout habitués à utiliser des solutions de traçage. Donc c'était comment est-ce qu'on va les accompagner pour que ça fonctionne. Parce qu'il faut qu'ils soient complètement autonomes. En trois quarts d'heure, en fait, on avait formé donc les deux opérateurs. Et franchement, ils ont été impeccables, surtout. Ils ont toujours été là. Et Philippe est passé toutes les semaines pour voir comment ça allait et tout ça. Donc franchement, j'ai rien à redire sur ça.